Quand j'étais un peu plus petite, j'ai mon père qui m'emmenait très régulièrement dans les meetings aériens. Petit à petit, ça a mûri l'idée d'entrer dans l'armée et de faire le métier que je fais actuellement, donc pilote de combat. Oui, j'ai été sélectionnée cette année. C'est vrai que je suis la première femme parce que tout simplement, ça fait pas très longtemps que les femmes sont pilotes de chasse. Et du coup, je suis dans les premières à pouvoir postuler pour le poste, finalement. Et je suis très heureuse. Donc j'ai été sélectionnée et j'intègre la patrouille de France à la fin de l'été. Il faut être pilote confirmé, donc pilote chef de patrouille, qui est la plus haute qualification pour les pilotes de chasse. 1500 heures de vol à son actif. Et ensuite, il faut présenter tout simplement son dossier dès que la prospection tombe. On a un premier filtre effectué par l'armée de l'air. Et puis, à l'issue, on a la sélection par la patrouille.